mettre sur la carte peut-être. Mais les cartes ici, ils sont depuis 1965. On se reçoit. Ok, on y va. Dans un premier temps, c'est de renseigner précisément sur la nature et le volume de l'ennemi, oui, qui est situé à moins de 1000 mètres. Ils sont juste de l'autre côté? Ouais. Suivi vers unité, je suis en mesure de préciser le renseignement. Ma position située en 15 364 unités. À partir de ma position, je suis en mesure de mouvement de l'ennemi. Avec vous. Et vous avez entendu la distance? Pourquoi toujours la sécurité? C'est inadmissible de perdre un bonhomme à l'entraînement. C'est vraiment inadmissible. Pour moi. Si un jour on part à 10 et on revient pas tous, c'est la partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Maintenant, en entraînement, on peut perdre des mecs partout. Ouais. Parce que c'est quoi un accident? C'est quelque chose d'imprédisible qui arrive. On ne peut pas le prédire. Ouais. Maintenant, si, comme j'ai dit au départ, si au départ on n'est pas serein, qu'on a fait tout le nécessaire pour pouvoir parer à tout accident, au moins à notre niveau, je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de bon travail. Hé, hey, touche pas au jerrycan toi là. Boule de football. Prenez-moi ça là, deux sacs de jerrycan en avant, alignés comme ça. Oui, à l'ultime avoir, c'est nous. À l'ultime avoir, ça va nous dire l'inalka. Maintenant vous prenez le deuxième sac, vous posez par les sacs respectifs, par les binômes. Ouais, un partout là, les barres avec le trou santé là. Hey, regarde. C'est bon, allez, ça, bon. Ça va sur le chameau. Ça va, voilà. Ok. Mets à côté, Le gars, oui, c'est bon. Il est bon? Oui, il est bon. Départ dans 30 minutes. Ok. T'es toujours au bout de l'ouest de
je te demandais de reconnaître là. Moi je suis toujours sur position que j'ai donnée en point GPS. Là je vais descendre mieux de jouer. Ouais, j'envoie. On est bien reçu. De toute façon, on doit venir en compte. Sac à dos par deux. Ça y est, nous aimons. Voilà, on va bien mettre. Noir sera ici, noir pâle. Ah, c'est noir, c'est après. Tango. Ouais, noir tango, a priori, je viens d'avoir rouge en soirée claire, ils sont plus trop loin du point, je crois. J'attends les coordonnées. Chameliers et elle serait dans l'ouest, au sud de deux ouest peut-être, au sud de ce point-là, reçu. Alors, est-ce que je vais vraiment changer, parce que pour moi, j'ai dit que c'était une petite côte, là, reçu, t'as vu. Charlie, suivi. Non, Tango. Ouais, ils sont en train de s'emparer du carrefour qui est au nord de ta position. Tango, je suis, j'attends. Donc pour moi, ils sont à 600 mètres de toi, plein nord. Mmh. Ouais, je vais y aller. T'es petit, hein. Quand tu veux. Ouais, y'a des mecs. Les bras, ça va? Alors tous les jours, hein, une petite séance d'étirement, c'est bien pour regarder les bras. Sinon vous allez voir fin de, environ dans 10 jours, au bout de 10 jours de stage, commencez à avoir des tendinites pour les gens moins entraînés. Et beaucoup de fautes. La section, gardez-vous. Allez, position des gens, entre mains. Le terrain ressemble beaucoup à l'Afghanistan. Un terrain très rude, difficile d'accès, et on s'aperçoit qu'on a quand même les mêmes procédés pour tout ce qui est combat, tout ce qui est cache, tous ces procédés-là, aussi bien sur un théâtre comme Djibouti que l'Afghanistan. Ici, il manque la haute montagne,
Hein, c'est-à-dire que le manque d'oxygène et tout ça, on ne pourra pas la trouver ici. Mais je pense que la rusticité du terrain et la chaleur, oui. On est tombé souvent sur des villageois qui avaient caché des munitions, qui avaient caché des armes et qui avaient des procédures particulières pour tout ce qui est récupération donc, de ce matériel-là. C'est ce qu'on leur montre là aux stagiaires, ces différents procédés de récupération de matériel. Donc soit sous forme de cache, soit sous forme de boîte à lettres morte pour tout ce qui est messagerie. Renseignement essentiellement, effectivement. Okay. Dans deux jours, ça sera bon parce que les talibans sera parti. D'accord, il n'y aura plus d'ennemis potentiels sur zone. Potentiel. Voilà. Non, c'est pas interne au stage, c'est général dans toutes les missions. D'accord. En Afghanistan, là, c'est pas des dromadaires qui jouent en Afghanistan, c'est des ânes. Pour faire des appros, les gens de les GCP du 8, ils travaillaient comme ça. Ils n'avaient pas de drone, mais ils avaient des ânes. On arrive à avoir pas mal de renseignements. Donc on a des personnels qui travaillent pour nous, des Afghans essentiellement, avec des échanges de bons procédés, des gens qui espèrent une accalmie sur le territoire, qui espèrent que le conflit va, une fois pour toutes, s'arrêter. Donc travaillent pour l'État français. Rien que pour notre spécialité dans l'assaut vertical, on est des troupes de choc. Ensuite, après, le REP en lui-même, il a ses spécificités vis-à-vis de ses compagnies, que même si on n'est pas engagé dans la spécialité de la compagnie, montagne, amphibie, il donne déjà une capacité opérationnelle en plus au REP. Ah, regardez! Ils sont pas du tout créatifs. Hein. Là, ils ont faim, ils cherchent la nourriture. Vous voulez les points, mon capitaine? De toute façon, que pour boire, ils ont besoin de même 30 parce qu'il y a deux, il y a eu deux rapaces l'autre jour. Ouais. Carton de ration, 27 cartons de ration et 14 nourrices d'eau sanitaire. Pleine. Bon cassoulet. Et tout le monde, nous sommes entre la Somalie, l'Éthiopie, bon, où c'est relativement calme, l'Érythrée, qui est en guerre depuis toujours avec l'Éthiopie. De l'autre côté de la mer Rouge, nous avons quand même le Moyen-Orient, où il se passe quand même pas mal de choses. Donc même si effectivement la situation est calme à Djibouti et qu'on n'a pas d'ennemis déclarés dans la région, ben, on se prépare en permanence à être opérationnel le jour J. Le pays des extrêmes, et c'est réellement vrai quoi, on passe d'une... Vous avez vu, là il ne fait pas très très chaud, et bien cet après-midi on va passer à 40-50 degrés, donc c'est vraiment la terre des extrêmes. Ouais. Allez.
Allez.